Bonjour, bienvenue à une autre vidéo sur ma chaîne. Je me présente Maxime. Maxime Gousse, photographe professionnel de mariage, de famille, de bédaine et tout ce qui entoure votre merveilleuse vie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un aspect important de la photographie de mariage, mais en fait de ce qui vient avant la photographie de mariage, le repérage. Le repérage, c'est un travail qui est effectué par le photographe, moi. Avant le mariage, le repérage consiste à dénicher, à trouver des spots, des beaux endroits où on va pouvoir prendre les photos de couple. Je vous ai parlé des photos de couple, elles peuvent se prendre avant ou après. Je vous ai parlé dans une autre capsule vidéo, c'était quoi un first look, faire les photos de couple avant le mariage. Vous irez voir cette vidéo-là. Mais les photos de couple, c'est évidemment un des éléments, sinon le élément le plus important dans la photographie de mariage, évidemment la cérémonie, tout ça c'est aussi important. Donc il s'agit de trouver de connivence ou de complicité avec les mariés, un bel endroit. Souvent ça peut être un parc à l'extérieur, si on est choyé, il y a une rivière, si on est choyé, il y a des murs de briques, il peut y avoir plein de textures autour de tout ça, pour faire des belles photos. Donc comment je procède? Moi, ben, j'ai deux, trois techniques, trucs que j'utilise. Premièrement, Google Maps. Le meilleur ami du photographe. Je vais faire une autre capsule un peu plus tard sur Pinterest, le meilleur ami du photographe. Donc, je ne veux pas qu'il y ait de chicane entre les deux meilleurs amis du photographe. Mais Google Maps, surtout en mode satellite ou en mode Street View, te permet de voir les parcs, te permet de voir s'il y a des ruisseaux, te permet de spotter l'église est là ou la salle de cérémonie est là. Puis là, tu peux voir, OK, j'ai quelque chose à 1 ou 2 km, pas trop loin de là. Des fois, c'est même l'autre côté de la rue. C'est super pratique. On est, nous, les photographes, est tout aussi liés dans les grandes communautés, surtout sur Facebook. L'autre jour, je fais un mariage à l'été 2022 à Drummondville. Je suis pas un spécialiste de Drummondville. Donc, j'ai posé la question sur le groupe Facebook. Je dis, yo les gars, comment ça va, les filles? Comment ça va? Bel endroit, beau parc pour faire de la photo à Drummondville. Et ceux qui connaissent, je n'ai pas le nom du parc, commence par la lettre W, sur le bord de la rivière, vous allez vous reconnaître. Donc, Google Street View, Google Satellite, la communauté. Des fois, j'ai le bonheur de faire des. Je veux faire un mariage cet été au Château Joliette. C'est mon quatrième événement que j'ai fait. Ça sera mon quatrième événement. J'ai déjà fait deux mariages, j'ai fait aussi une maternité à cet endroit-là. Donc, des fois, j'ai le bonheur de connaître les sites exactement. Puis là, le marié me posait une question. Ouais, mais penses-tu qu'on devrait aller faire un repérage ensemble comme le mois avant? Puis là, je suis tout en train de décrire. Il y a la clôture qui est là, il y a la rivière qui est là, il y a le petit chemin qui monte en haut, il y a tout ça. Là, vous allez vous marier, il y a les dalles qui sont là. Je l'ai exactement dans ma tête, vous avez compris? Photographe, je suis visuel, c'est ma job, c'est mon talent, c'est inné chez moi. Ça, c'est quand il fait beau. Des fois, rarement, j'avoue que je suis béni des dieux, rarement, il peut pleuvoir. Et qu'est-ce que je fais en ce temps-là? Ben, puis là, vous voyez en ce moment une autre photo, celle-ci, en noir et blanc. Je pense que c'est. Moi, d'ailleurs, on faisait un top 10 avec mon épouse Sylvie. Et cette photo-là fait partie de son top 10. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ce jour-là, je le savais une semaine avant qu'elle allait pleuvoir. Donc, justement, c'était à Joliette. Donc, parc, on oublie ça. Faut qu'on fasse à l'intérieur. Donc là, le repérage s'est fait de façon un peu différente. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé Pinterest pour essayer de voir ben, quelles seraient les poses que je pourrais utiliser dans la chambre d'hôtel. Donc, c'est la suite nuptiale des mariés. Et donc, j'ai réussi à m'inspirer. Je monte un tableau sur Pinterest. J'ai toujours Pinterest avec moi. Et wow! Ça a sorti cette photo-là. C'était à peu près exactement l'inspiration que j'ai trouvée sur son Pinterest.
je la présente, bien, vous l'avez vu, j'avoue que je suis pas mal fier de cette photo-là. Ça a sorti comme je le voulais. Les mariés, ils ont capoté. Ils ont évidemment joué le jeu. Vous avez compris qu'il y a un peu un scénario dans cette photo-là. Donc, il faut aussi, quand on fait le repérage, plan A, généralement dehors, on aime ça. Plan B, à l'intérieur. Donc, si on est dans un hôtel, pardon, la salle de réception, des fois, il y a des grandes rampes dans un hôtel. Donc, plein de photos existent encore sur Google. J'arrive toujours avant la cérémonie ou avant la préparation, si on a choisi la préparation avec l'un des forfaits, pour justement confirmer, revoir en vrai de vrai l'environnement autour de moi, qu'il soit extérieur ou intérieur. Donc c'est ça le repérage. C'est un aspect super important de ma préparation à votre mariage et c'est inclus dans tous les forfaits bronze, argent, or, parce que le repérage fait des beaux spots à photos, puis des beaux spots à photos, vous avez compris, fait des belles photos. Merci, on se revoit dans une autre vidéo. Ciao!